Alien, c'est Kéo Marek, bienvenue à tous, on est sur Alien Isolation. On est reparti pour une grosse frayeur. Oh bordel, qu'est-ce que je déteste ce jeu. On en était... Je sais qu'on était à un moment atroce de ce jeu. Très développé, vous repérez plus vite que les humains ou les synthétiques. Oui, c'est sûr qu'il me repère très vite. Pas la peine de me le dire en astuce. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ce que j'ai envie de faire, c'est de le fumer sans culer, ouais. Ok, donc on en était à ce fameux moment où on devait trouver une solution pour redémarrer le synthétique. Et là. Ouais, et donc cet enfoiré, il est en train de se balader, il se fout limite de notre gueule. Hein, il est dans les étages, il se fout, je vous jure, il se fout de ma gueule en fait. J'espère qu'il a pas de moyen de passer par ici parce que... Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Le niveau de sécurité est trop élevé. Attends. Mais comment je fais pour passer, moi? Trouver un moyen d'allumer l'endroit de réquisition. Ok, mais ça... Je peux pas rentrer par là? D'accord. Merde. Ouvre-toi. Je peux pas utiliser ce truc là. Niveau de sécurité trop élevé. Ah, en fait je suis venu en haut mais pour rien du tout. Ça je peux pas l'utiliser. Bah, faut que je redescende alors. Ah putain, faut que je me balade dans le machin pour trouver une solution. C'est pas possible. Putain, j'ai cru qu'il était encore là. Sérieux. Ah, c'est go! C'est trop glauque! Il vous regarde d'une manière. Tu parles de synthétique, toi? What? Qu'est-ce que c'est, bordel? Ok, bon, vous savez quoi? Je vais re-sauvegarder un coup. Allez, oh putain de merde. J'espère que vous me voyez quand même bien. C'est quoi ce bordel? Non, je vais utiliser. Il y a quoi sur lui? Ah, il y a pas mal de trucs. Est-ce que ça peut nous servir? Ça peut nous servir. Allez, on va utiliser ça. Voilà, c'est utilisé. On a un mélange. Qu'est-ce qu'il est chiant! Qu'est-ce qu'il est chiant! Il me fait stresser! Oh. Qu'est-ce que cette chose? Ok, donc là on a un truc qui nous permet d'avoir. Ok, d'accord, ça marche. Comment j'aime pas ça, regardez-moi. C'est. Ah. C'est atroce, c'est atroce. Ok, donc trouver le moyen de rallumer le truc de niveau 2. Donc là, il faut que je monte en haut, je pense. C'est à ce moment-là qu'il faut que je monte en haut. Ok, on va monter en haut. Bordel. Bordel, bordel, bordel. Quelle idée, quelle idée! Tu sais à quel point c'est dangereux de faire ce que tu fais? Ok, donc on doit utiliser le synthé pour faire nos conneries. Pareil, donc là... Oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est encore pire. C'est encore pire qu'avant. Ok. Ah putain. J'aime pas, je l'entends à côté, je déteste. Calme-toi. Non, c'est pas parce qu'il fait super noir à côté de toi qu'il faut stresser. Putain. Tac. Ah putain de merde, ça va plus vite encore. Ok, initialisation. De l'androïde de réquisition connecté en attente d'activation. Oh non, me fais pas autant de bruit. T'es obligé de faire autant de boucan. Oh. Il fait un boucan du diable, c'est incroyable.
Y a quoi là-dedans? Je sais, ça m'intrigue. J'y vais, même s'il y a des... Je sais que je pourrais y rester, mais il faut que j'y aille. Juste pour voir. Alors. Des choses intéressantes, peut-être? La Camelot. C'est tellement rassurant de voir une affiche comme ça. Tellement rassurant. Ah bah tiens. Il y a peut-être des codes d'accès là-dedans. Android de réquisition. Il virait, va falloir descendre. Mais tout doit être enregistré. Alors utilisez en mode de réquisition. Démarrez-le, sortez-le de sa boîte et observez-le partir, un peu comme moi. Quand vous aurez ce message, je serai bourré au jus de l'eau. Ouais, bref. Ascenseur hors service. Ok. Smiles, ici Spedding. Vous saviez pertinemment que ces mecs étaient les derniers enchérisseurs pour le système Apollo de Sébastopol. Et vous avez complètement merdé la présentation des androïdes. Ils ne sont pas intéressés. Du coup, pas de prime pour moi, pas de moitié pour vous qui tiennent. Et qui sait ce qui va se passer pour les bureaucrates de l'étage du dessus? Ça m'a vraiment saoulé. Et vous savez ce qu'il me faut encore plus en rôle? Je dois rester sur Sébastopol et me coltiner la supervision de la mise à l'arrêt des synthétiques pendant que vous rentrez tranquillement chez vous. J'espère que vous ferez pas de cauchemar sur le chemin du retour, du con. Il est pas content, hein. Il était pas content du tout, hein. Ok, donc allez. On active l'Android. C'est quoi ce truc fou? Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'un cylindre de compression. Dépôt de composants. Rangée 1, rayon B. Suivez-moi. Essaie de pas faire trop de bruit, ok? Ah, fais pas de bruit, hein. Ah non, on doit l'accompagner, ce con. Non, 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 non. Oh là là. Votre cylindre de compression se trouve à l'extrémité de cette rangée. Non. Il va y aller, mais... Il va se faire dégommer, je crois. Ouais, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Bon malin. Oh, de l'éthanol. En haut, peut-être. Non, en bas. Verrouillé. Cette merde, pourquoi il est allé là-bas? Il est con. C'était complètement inutile. En haut, là on trouvera rien. En bas, on trouvera toujours rien. Peut-être en haut là. Ah non, ça ne pourra aller en bas. Ah merde, on peut choisir en fait. En bas. En bas. Voilà. Donc là c'est un chemin, on vient d'ouvrir un chemin. Qui ne nous mène à presque rien, ou presque. Oh, pourquoi l'alien il viendrait pas là? Ce serait tellement marrant. Ce serait tellement drôle. Les amorces. Ici, un droit de compression devrait se trouver dans le coin, non? Au bout de cette rangée, il a dit. Oh, se calme. Ah, il est là. S'il y a une compression. Voilà, je l'ai. Remplacer le composant de l'ascenseur. Quelle merdouille. Donc, ça m'embête quand même un chou. Ça m'embête quand même un chouïa là. Je peux pas savoir. Où est l'alien?
Où est ce satané Spectro? On sait qu'il est pas loin en plus. C'est l'horreur. Ouais, par là. Ah, mais j'y pense, mais oui. Non, cette prière que je viens de me faire. Mais j'y pense. Il se baladait là tout à l'heure. Et ouais. C'est là que ça devient compliqué. C'est que moi je dois traverser tout ça. Donc est-ce que je recommence à traverser comme j'avais fait avant? C'est possible qu'il me chope. On va se déplacer doucement. Pas trop se faire voir. On va reprendre le même chemin qu'on avait utilisé. Sans risque de se faire repérer peut-être. Ah ouais, mais non. Ça marchera peut-être pas. Parce que regardez, c'est des trucs juste là. Et j'ai beaucoup moins de cachettes ici. Beaucoup, beaucoup moins de cachettes. Et je ne saurais pas le trouver. Pire, c'est se planquer sous les... Sous les trucs, ce serait pas une bonne idée. Alors, par où j'étais déjà? Par là. Par contre, j'ai une méchante perte de FPS, ça je comprends pas trop le truc. Voilà. Je croyais que je... C'est parfait. Et il ne me repérera pas. Dis-moi, j'espère. Il est de l'autre côté. Ça fait peur, je vous jure, ça fait peur. Il les a laissés pour mort, quoi. Mais il a rien fait avec eux. Il était aussi bien mort. Inventaire plein. On va sauvegarder tout de suite avant de remplacer le composant qui nous manque. C'est là, il nous attaque au moment où on sauvegarde. On aurait l'air con de recommencer à chaque fois à ce moment-là, hein. Ok, on a réussi ça. Parfait. Objectif complété. Ah, Travi, est-ce qu'on va arriver enfin à rejoindre les autres? Sans que l'alien nous ait encore pourchassé. Wow.
quoi ce bordel? C'est quoi tout ça? J'ai pas rêvé, il est passé là. Attends, je fais quoi là? Traitement de fluide synthétique, ok. Il y a des mecs là-haut. Ouais. Faut vraiment que je monte là-haut. Non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils m'ont vu ou pas? J'ai pas compris là en fait. Je sais pas s'ils m'ont vu ou... Bon là, j'ai rien à prendre. Là, il y a un ordinateur. Amusons-nous. Requête d'ingénieur, machin. Ok. Merde. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, partager erreur, forcément. Audio erreur, erreur. Ok. Bon, de toute façon, ça n'a servi à rien. Ça, c'est pas ouvert. Faut se méfier quand même, il n'y a pas des trappes, des trucs comme ça, tu sais, ils vous mettent l'objet juste en dessous et finalement c'est pour vous niquer la gueule. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont pas d'armes. Je me demande ce que les gosses sont en train de faire en ce moment. Ah si, ils ont une arme. Et là, mon but, c'est de faire quoi? Trouver une sortie vers la centrale de fluide synthétique. Ouais, si je... T'endras me filer déjà la chair de poule avant que ça parte en live. Si je passe par là, ouais, pour la rigueur. Faut faire gaffe, quoi. Control center, synthétique fluide. Y'a rien là? Ah si, y'a des trucs. Inventaire plein. Allez hop, tu peux t'ouvrir? Puissance faible. Pas faire grand chose. Voilà. Vers la tour de transit. Voilà, j'ai trouvé normalement, ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Nickel, voilà, on a trouvé. J'ai pas compris en fait ce petit niveau là bizarre. On a vu l'alien passer, hein, on l'a vu. Mais il les a pas touchés. Ils sont de mèche. Ils sont de mèche. En tout cas, c'était très bizarre. C'est très très bizarre. Par contre, j'ai pas sauvegardé. Il va falloir que je trouve quelque chose. Allez hop. Oula. Faut que j'aille où là? Ah putain, fais chier. Putain, c'est chiant. Ok. C'est marrant ce truc. Franchement, c'est marrant. Mais qu'est-ce que ça devient chiant à la longue? Une carte. Très utile. Et normalement. Je vous avais formellement interdit d'atterrir sur la station. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas entendu votre message. On pensait que vous seriez... Hey. Identifiez-vous. Ripley, je viens du Torrens. Relax, Ricardo. Qu'est-ce qui se passe ici, Marshall? Où sont les forces de sécurité? Juste sous vos yeux.
J'ai vu la créature. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Quelque chose amené ici par Marlowe, le capitaine de la Nessidora. Vous dites que le vaisseau qui a trouvé la boîte noire a également trouvé cette... Y a-t-il encore un endroit où on soit en sécurité ici? La créature se balade et les synthétiques de Sixon ne sont pas très coopératifs. Androïde de merde. Ripley. Taylor a besoin de soins. Oubliez le centre de soins. C'est une zone condamnée. Il y a une unité d'assistance respiratoire au QG. Alors allons-y. Il faut qu'on utilise le transit pour se rendre au QG, mais il est en panne. La salle de contrôle des transits se trouve à l'étage. Samuel se dit que vous êtes ingénieur. Allez donc vous rendre utile. Comme c'est vous qui avez fait foirer le piège. Ouais, c'est ça. On en reparlera plus tard, Waits. Protégez-les pendant que je suis pas là, compris? Ricardo verrouille sa fréquence radio pour qu'on reste en contact. D'accord, donc encore, c'est moi qui vais forcément me coachiner tous les trucs de merde. Putain, ils font chier ces gens. Ok, bon, on va aller sauvegarder tout de suite. Hop là. Hop là, ça c'est fait. Et c'est parti donc. Allez à la salle de contrôle des transits. Oh purée, je le sens pas ce coup. Encore écoute pour notre gueule, vous allez voir. Il n'y a plus de courant. Keep out. C'est pas pour rien qu'ils mettent ça. Hein. Sérieux. Zone condamnée, condamnée, bah oui. Oh là là. Ils sont chiants de m'envoyer dans des trucs comme ça. J'ai rien voulu, moi. Allez, ouvre-toi. Alors là, non, il va se passer un truc obligé. L'ascenseur. Ouais, non, je croyais qu'il allait y avoir un cadavre ou un truc du genre là-dedans qui allait nous... Je suis mourant, aidez-moi. Non, crève. Ne viens pas me voir. What? Oh non. What? Grenade aveuglante. J'avais des... Oh, grenade aveuglante. Mais deuxième niveau, apparemment. Inventaire plein. Ah ouais, mais attention. Émetteur de son. Là, j'ai pas mal de trucs que je peux faire, en fait. Je vais faire une... Un émetteur de son. C'est extrêmement utile. Émetteur de son, c'est le truc parfait. C'est quoi ce machin qui tape, là? C'est fou de ma gueule, sérieux? Alors, c'est quoi ça? Chalumeau requis. J'ai pas de chalumeau. Je vois rien. Ok, dalle. Ok. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui tape derrière. Ça se trouve, c'est des synthétiques. Ça va encore être la merde. Oh non, sérieux. Une amorce. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. On va aller. C'est ça qu'on a à faire. Puissance faible. Quelqu'un a tout éteint. Ça, c'est quoi ça? Je sais qu'il y a quelqu'un ici! Ok. Comment je me sors de cette épave? Il y a un gars juste là. J'en ai déjà assez bavé pour sécuriser cet endroit. Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai dormi. C'est encore un mec qui veut notre peau, c'est ça? Putain, il va être chiant, hein. Je veux juste revoir ma famille. C'est tout ce que je souhaite. Oui, bah, écoute... Y a pas que toi, hein. On va y aller au taser. Qu'est-ce qui...
qui m'a pris d'accepter de venir ici. J'espère que ça va juste marcher. Quelqu'un doit être au courant de ce qui se passe. Voilà, désolé. J'ai dû taser assez méchamment. Ok, alors. Désactiver le verrou de sécurité. Verrou de sécurité qui se trouve être là. Si c'est cela. Ça se trouve. Hein. Ça, c'est le verrou de sécurité, ok. What? C'est un androïde. Vous ne devriez pas être ici. Merde. J'ai pas de munitions pour le taser. Ça aurait été tellement utile. Réparation plus qu'impossible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment je vais faire ça? J'ai un cocktail Molotov, mais si je... Enfin, j'ai pas envie de l'utiliser contre lui. Quoique... Oui, bah. Je sais que vous êtes là. Qu'est-ce que je fais? Molotov? Il y a encore quelque chose d'anormal ici. Encore du temps gâché pour Sixon. Qu'est-ce qu'il fait? Il a eu un de ses coups de speed. Ouais, ouais, mais n'y compte pas trop non plus. Ce que je vais faire, je vais le cramer. Hein. Je vais essayer de le cramer. Apollo, que faites-vous ici? Tu crames pas? On s'est un peu raté. Je crois. Vous et moi allons nous entretenir au sujet de la sécurité. Ouais, ouais, ouais. Dis ça à mon flingue. Merde, j'ai quand même utilisé des munitions, ça me fait chier. Ok. Ah putain. Bon allez, il m'a donné une balle en plus. C'est vraiment pas pratique d'utiliser ça. Et j'ai rien d'autre. Lui, il avait quoi déjà sur lui? Il avait plus rien. C'est con qu'il me donne pas de piles de taser, je sais même plus comment en fabriquer. Ce serait déjà bien de pouvoir les faire. Retourner à la gare de transit. Ripley, ici Waits. Le transit est là, on vous attend. Attendez, j'ai eu quelques soucis, il va me falloir un petit moment pour revenir. On peut attendre. Pas Taylor, je prendrai la prochaine voiture. À vous de voir. Ouais, la classe, il y a du monde mort ici. C'est génial. Oh, un chalumeau. Oh, la classe, oh, c'est super. On a trouvé un nouvel outil. Ça on a. Eh ben on va sauvegarder, c'est super. On a trouvé un nouvel outil, ça va être super intéressant. Mais je pense qu'on va aussi devoir retourner sur certains endroits qu'on n'a pas visité complètement avec avec cet outil, ça serait vraiment beaucoup plus pratique. Alors il faut des bouteilles de gaz pour le chalumeau à chaque fois, si j'ai compris ce qu'il me disait. Fais voir ça. Fumigène émetteur. Ok, medikit. Je vais recréer un cocktail Molotov. Parce que forcément, ce qui me manquait, je ne l'avais plus. Voilà. Au moins avec ça, je pourrais me défendre convenablement. Un bon fumigène, je peux en faire. Est-ce que c'est, à votre avis, utile que j'en fasse?
Ça peut toujours être utile pour se barrer très vite. Allez, je vais en créer. De toute façon, les composants de craft, ça sert à ça. Et on aura de toute façon besoin peut-être à un moment d'une bombe fumigène. Les soins, c'est pas la peine. Je vais reprendre le revolver. Qu'est-ce qu'on a là? Fumigène qui était blinde. Là, il n'y a rien à prendre. Ok. Donc là, je pouvais faire un truc apparemment avec le chalumeau. En fait, c'est vraiment nous qui découpons le truc, hein. Je vous promets que c'est vraiment nous qui le faisons. Donc, allez, descend, encore, encore. On est bon là. Allez, 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 allez. Hop là. Et on continue. Et on remonte. Voilà. Bien fait les bords en fait. Un panneau. Ah d'accord, ok. Bah ça vous donne des accès bizarres, hein. Ok. Voilà, je n'aime pas ça. Vous croyez ça, on va se retrouver nez à nez avec l'alien? Ça serait trop bizarre. Pitié, faites que non. Déjà que la phase de spectro me répugne, alors si en plus il faut que je le regarde encore. Ah bah, finalement pas. Je suis Sinclair. Il nous faut des provisions. Prenez ce que vous pouvez, ce que bon vous semble. J'ai trouvé une zone dans les quartiers d'habitation où on pourra s'enfermer en attendant les secours. Des hommes sont en train de souder les conduits et de désactiver les ascenseurs. L'objectif est de rendre l'endroit imperméable. Ripley, j'ai entendu des voix en partant. Faites gaffe. Nous faire de la place pour des vivres, des médocs, de l'eau et des armes. Si on veut que tout le monde s'en sorte vivant, va falloir laisser la pitié de côté. Alors moi je dois prendre lequel? Ok. Ah non. C'est peut-être les mecs qui vont revenir. Les mecs qui vont revenir avec le truc de transit, je crois. Peut-être. Probable. Quoique, en espérant que non. J'ai ramené ce qu'il fallait, mais là... Si je peux, je l'abats sans user de balles. Oh non. Il revient.
La classe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi maintenant? Y'en a d'autres? Les autres sont là, c'est obligatoire. Et lui, au moins, je l'ai eu. Ça, on en fait déjà un sur... Ok. Je sais pas où sont les autres. Je sais pas où sont les autres, mais ils doivent m'attendre. Et j'aime pas ça du tout. Allez. Pourquoi ils me donnent de la merde en munitions de revolver? C'est dingue. En fait, la balle que je leur tire, c'est celle qui me rend en fait. Ok, allez. On s'en va. Ouais, bah gardez vos munitions, je peux pas faire autrement. Hein. Faut bien que je puisse me barrer. Bon, Ira, j'aurais peut-être pu l'avoir en frappant. Le frappant par derrière. What? Il me reste que ça comme muni. Alors, j'en ai dépensé tellement sur l'autre. Entrez dans le bureau du marshal de la colonie. On s'en fout de ce qu'elle dessert. Terre, la galerie marchande Solomon, le bureau du marshal colonial et les suites Sixon. Ok, donc c'est par là. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller de ce côté-là. Donc on va tout de suite sauvegarder, hein, on va se faire plaisir. Je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode. Ce sera un petit épisode d'une... Ouais, de 37 minutes. On va s'arrêter là. Je vous dis, je vous donne rendez-vous pour la suite. Donc là, on aura aidé Taylor, Samuels et on va aussi soutenir, je pense, les Marshall. On va voir un petit peu ce qu'ils ont prévu de faire pour Spectro. On va essayer de lui casser la gueule, de bien lui mettre profond. Enfin, espérons. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve donc pour le prochain. Ciao tout le monde. Bon jeu et bonne frayeur.